Alors ça, c'est la première version du Ouais, petit déjeuner. Là, je bah viens de me lever vraiment la tête dans le cul. yeah. 6h50 du matin. Yeah. C'est le premier petit déjeuner pour la première session de surf. Tout le monde est là en train de se préparer. Tout le monde est plus en forme que moi. Et là, on a Tom qui est en train de se faire. Yeah. Du café. Mademoiselle est ici qui boit son café. Café au lait, ouais. Voilà, ben on vient d'arriver, la journée commence bien sous la pluie. C'est génial, ça donne vraiment envie d'aller surfer. C'est quand même basique. On verra s'il y a beaucoup de gens qui surfent. Par un temps pareil, à mon avis, les gens sortent pas trop. Il y a personne dehors, évidemment. Donc tout ça, caché à l'intérieur. Ça donne envie de surfer à la pluie. T'as quoi? La pluie. Alors Léo, dis-nous, est-ce que c'est ta première expérience de surf sous la pluie? Oui. Oui? Et toi? À 7h du matin comme ça, c'est cool, hein, ah, c'est beau. Ça donne envie de commencer la journée. Regardez là. Et on va aller surfer là. Oh. Are you in a... Do you really want to surf today? No, no? No. Come on. Why not? This weather is awesome. Wow. At least we have all the beach for ourselves, you know? Yeah. It's really raining a lot. Avec le soleil là-bas au bout qui se lève, on espère que le soleil va nous illuminer bientôt. Alors, on vient de terminer la première session de surf là. Alors la meilleure partie de la session de surf le matin, c'est qu'après on a droit au petit déjeuner qui déchire. Donc ça motive directement. Là c'est notre taxi avec sa petite plaque 2014 là devant. Et bah voilà, le soleil s'est levé vers la fin de la session. On a eu droit à des super beaux arc-en-ciel. Donc ça c'était génial. Vraiment top. Hein? Beautiful rainbow today, hein? Ici je suis dans une petite échoppe et regardez la taille des bouteilles. Gracias. Là c'est juste un échantillon pour goûter qui est déjà bien grand. Et la taille des bouteilles quoi. Et je viens de manger ici, j'ai mangé ici pour 120 pesos, ça fait 3 dollars. J'ai mangé de nouveau de la super bonne viande ici et du riz. Donc ça a été sûr. L'ambiance ici, plein après-midi à Cabarete. Tout le monde est dehors. Mi-novembre, c'est pas mal. Il y a du trafic comme vous pouvez voir. Et les gars du taxi viennent me siffler pour m'appeler et me faire manger. Enfin me faire payer. Un petit jeep bien sympa là aussi. Partout il y a des marchands. Allez, lui il vient de nous parler. Je l'ai raté. Il était en train de lui faire la cour. Il lui essaie de lui vendre une pipe. Ça va pas marcher. Happy hour, cocktails. Le deuxième boisson. Ça c'est génial. Il y a du soleil et la pluie là derrière dans la piscine. Là on termine le petit déjeuner. Et on va repartir faire du surf. Normal. Voilà, donc c'est ici qu'on surfe. Et à côté des surfs, il y a les chevaux et les palmiers. C'est la première fois que je vois des chevaux et des palmiers ensemble. Ah bon, toute l'équipe est là-bas au bout. Tout le monde, on se dirige vers notre camionnette pour rentrer là au stage de surf. Enfin, à la villa du stage de surf. Et ouais, quatrième jour de surf, c'est bien passé, bah voilà, comme d'habitude que la matinée.
et j'ai mal au sein. Ça fait trop mal, ça râpe les seins, ça râpe les genoux. Regardez ça, le gars avec sa planche de surf sur sa moto. Trop bon. Alors c'est vrai. Il mange directement dans l'ananas. C'est quoi à l'intérieur? Poulet curé. Pas mal. Directement dans l'ananas, j'adore. Para subir al cielo se necesita una chica. Baila bamba, baila bamba. Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán, soy capitán. En mi pozo no hay dinero, no soy dinero. Porque tengo un chico. Ahí arriba. How much is $20? Yes, Baños, Hombres is guys, non? Regardez les toilettes des guys, elles sont pas mal. Ah bah je vais pouvoir les utiliser. Ah ouais, d'accord. Sympa, hein, ça donne envie de rentrer. Ah ouais, ouais, c'est super. On sait pas où tu veux rentrer là, mais tu veux rentrer. Ah. Le surfeur là-haut sur le toit. Je trouve ça génial. Regardez encore une belle déco faite maison ici. Un bonhomme de neige en bouteille de Coca-Cola. C'est une grande première. T'avais déjà vu ça, un bonhomme de neige en bouteille de Coca? Non. Non. Ah bah non, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et Bob... Non, c'est qui c'est? Oh, et regardez ça. Recycle, don't be trashy. Nos amis, les petites statues. Déco très sympa pour mettre dans son salon, pour passer l'hiver. Il y a plein de déco très très cool. Je trouve ça très sympa en tout cas. Au magasin, qu'est-ce qu'on va acheter? Ah ben on pourrait faire un masque de moi comme ça, avec les mêmes. Claudio il n'est pas d'accord. Et ceux-là avec leurs cornes pointues, ils sont trop bien. Alors regardez, nouvel instrument de musique, génial. Non, il faut pas filmer de trop près parce que je sais pas jouer encore. Mais je trouve le principe génial. Alors on met ça ici, toute cette tête. Avec les pouces. D'accord. Tourner. Tu t'as tourné. Comme ça. Voilà, et vous pouvez. Alors là, vous pointez le cou, ouais. Donc c'est pareil, c'est pas mieux. Voilà, dans l'autre sens. Et avec ah, les wow. J'apprends à jouer. C'est comme un piano. Ok. Gracias. Là, on m'a obligé, je suis obligé de me faire faire une tresse. On m'a abordé dans la rue, je voulais pas spécialement, mais elle m'a dit juste une. Donc j'essaye. Juste pour voir à quoi ça ressemble de faire faire une tresse. Oui, je filme. Ok, ok. Ok. C'est pas fini. Mais j'attends. Mais moi, c'est noir. Moi, c'est blanc. Ouais, regarde le contraste. C'est tout blanc. Oui, oui. Ouais. Fini? Avec le noir.
Il y en a combien là? Deux maintenant. Mais non, ça va. C'est juste. D'où viens-tu? De Belgique. Oh, mais moi je suis haïtienne. Haïtienne? Waouh. Donc on me fait bleu, blanc, rouge. Oui. Mais c'est pas pour la, c'est pas la Belgique ça. C'est la France. Voilà, non, c'est la France. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Fini, non, c'est fini, c'est toi. C'est fini. Ça va, ça va. Je vais pas faire la Belgique. C'est à quoi je vais ressembler moi? Hein? J'ai du mal à savoir à quoi je ressemble. Voilà, ben maintenant tout le monde vient. I didn't ask anything, she said just one. Just one. I like, no, no, no. She said, come on, let's do just one. Vous voulez être dans la Belgique, noir, jaune, rouge. À quoi je vais ressembler. Très bien, très bien, sweet. Très surfeur. Yes. Be careful. Ah, okay, here. No, turn. Ah, but, wow. Now let's see. What wow. Is he doing? There were so many ends and they were holding up on his knee. Ooh, beautiful. Ah, thank you. Merci. Alors ici nous avons un match de foot en place sur la plage avec ce ciel somptueux. Regardez ça. Le ciel, le match de foot en plein milieu. La, toute la bande qui est ici. Say this wasn't whitehead, say this was all green part of the wave, you'd have it the other way, you'd have then the board coming slightly to the right, and so when you pop up, you're going to find the pop-up will be a little bit easier because it won't be so steep, and then that board is already starting to go into that first turn, which if say this was as a green face, that would be like a forehand wave, okay? Does that make sense? So any other questions? In that situation, yeah. What's your first which direction is your first turn? Okay, so wave like... Regardez, lui, c'est... Regardez, c'est mon ami Mini Lézard. Il est tout petit. Pip. J'adore. Alors là, mes nouvelles tresses horribles. Quelle chance. Et j'ai même donné des sous pour ça après. So where is the rum tonight? The what? The rum. I don't know. Look, I'm trying to do like you. Oh yeah? Nice. What did I do? She forced me to have that. I didn't want. Alors petite soirée là, j'ai rencontré des Américains qui sont venus habiter ici en République Dominicaine. Et là je suis avec Dave aussi. Dave c'est je crois que tu l'as peut-être déjà vu, c'est un des nouveaux qui vient d'arriver aujourd'hui au surf camp. Et voilà. Ça c'est Samantha. Bonjour Samantha, comment ça va? Hey, this is Dimitri, my colleague. Nice to meet you, Dimitri. Et ça, c'est Agnella, qui vient du Canada, qui a 28 ans, elle travaille online aussi. Et ils habitent ici depuis un petit temps.
What are you saying about me? Hey, Samantha, elle habite ici depuis 3 ans. I'm just saying, explaining the situation. I do daily videos of my life. So what's happening? Except for the pictures. Samantha consumes on daily basis in the large quantity. Elle travaille toutes les deux online. Elle travaille juste online. No, but you know, voilà. The last time gagne de l'argent et il voyage comme ça. Was with Sandra. Et lui aussi il travaille online. En fait, on travaille tous online. Online marketing, online selling. Yep. Everybody is in the same boat, man. Fucking paddle at the same time. Fucking paddle! How you fucking paddle?